Ça, c'est une bonne question, ça. En fait, en 2009, donc ça fait 11 ans, moi j'avais 18 ans à ce moment, et j'étais pas déjà ouvert sur ma propre sexualité. Et j'ai lu un article dans un journal qui parlait d'une jeune fille trans de 15 ans qui voulait devenir une danseuse classique, mais qui pouvait pas en fait danser comme fille par son école. Et immédiatement j'ai contacté cette fille parce que je trouvais ce que je trouvais très fort, c'était que pour moi c'était quelqu'un qui était très authentique, était vraiment soi-même, et c'était quelque chose que moi à ce moment dans ma vie je pouvais pas être. Donc pour moi, c'était comme un exemple. Et je suis devenu très proche d'elle. Et d'abord, je voulais faire une documentaire sur elle, sur sa période d'adolescence, comment c'était pour elle de grandir. Mais elle voulait pas. Elle ne voulait pas faire une documentaire parce qu'elle ne voulait pas vraiment être filmée à ce moment dans sa vie. C'était trop fragile pour elle d'être filmée. Mais elle était d'accord de continuer à parler et peut-être d'écrire un petit peu avec moi. Et en 2014, quand j'avais fini mes études cinéma, je suis immédiatement commencé l'écriture d'un scénario fiction. Et là, elle a écrit avec moi. Et pour moi, c'était un personnage, même si moi, je ne suis pas transgenre moi-même, c'était un personnage où je pouvais me vraiment identifier avec. Parce que le film, pour moi, c'est vraiment un film de quelqu'un qui ne se sent pas bien dans le corps ou dans sa propre corps. Et pour moi, c'est quelque chose de très universel. Je pense que, bien sûr, que beaucoup d'ados ressentent ça, mais aussi moi, personnellement, j'ai vraiment ressenti ça comme sentiment. Même, je continue à sentir ça, en fait. Je pense que leur relation avec le propre corps, c'est quelque chose de très complexe, et j'avais vraiment envie de parler de ça, et aussi de la genre. Et les expectations d'une fille ou d'un garçon et la culture où c'est très, jusqu'à maintenant peut-être, parce que maintenant ça commence à bouger, que c'était très divisé et très strict dans la représentation. En fait, on a fait un casting, le process du casting était très compliqué. Parce que on a cherché quelqu'un de 15 ans qui pouvait et jouer et danser et représenter pour moi cette identité d'une manière complexe et élégante. Et on a vu plus que 500 jeunes pour ce rôle. On a fait des castings de jeux, on a fait des castings de danse. Et c'était pendant un casting de danse que nous avons rencontré Victor. C'est-à-dire qu'il savait danser. En fait, il s'entraîne à la même école où Nora a été quand elle était jeune, quand elle avait 15 ans. Donc ça, c'était comme c'est quoi ce mot en français quand tu dis un hasard. C'était comme un hasard qui était en fait très très fort. Oui, ça me tient beaucoup à cœur parce que pendant cette période de recherche, j'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes transgenres, mais aussi leurs parents. J'ai suivi un peu leur parcours, leurs histoires. Et je trouve que dans le cinéma, il y a vraiment, en fait, il y a un trou dans les histoires de personnes trans. En fait, pour moi, il y a beaucoup plus d'histoires qui doivent être racontés, qui doivent être là. Et donc, j'avais un grand envie, je sentais une grande urgence
de représenter quelqu'un que j'ai rencontré moi-même et que je suis tombé amoureux avec, en fait. Je pense qu'il est, ouais, je pense qu'il est un réalisateur très fort qui parle des sujets et qui cherche de montrer aussi des nouveaux personnages d'une manière très élégante, très émouvante, avec un style qui est très unique pour moi. Donc oui, c'est vraiment un réalisateur qui était très important dans mon parcours de devenir réalisateur et comprendre quel film je voulais faire. C'est quelqu'un que, où j'ai regardé ses films pendant que j'étais moi étudiant de cinéma. Donc quelqu'un qui m'a formé un peu aussi, si tu veux. Et donc oui, j'adore ses films et je ressens vraiment une connexion avec ce qu'il fait. C'est-à-dire que dans le monde de la danse classique, je pense que les rôles sont encore très, très stricts. En fait, quand Nora voulait danser comme fille, elle ne pouvait pas de son école parce que ce monde de la danse classique, je pense qu'il est encore, où elle était encore, ça commence à changer, vraiment dans les normes, dans les rôles. Beaucoup des ballets sont des contes de fées. Et des contes fées sont des histoires très genre spécifiques. Et donc je pense que c'est un monde qui commence à bouger. Tu as par exemple un jeune danseur qui s'appelle Chase Jancy, qui était le premier biologique garçon qui a dansé une rôle de femme. Et donc ça commence à bouger. Tu as le ballet de Trocadéro, tu as beaucoup de choses qui commencent à bouger, ou qui ont déjà bougé. Mais je pense qu'il y a un grand travail encore sur voilà, les danseurs transgenres ou les minorités, oui. En fait, c'est mon deuxième jury que je fais de ma vie. Avant, j'ai fait, l'année passée, j'ai fait le jury Un Certain Regard au Festival de Cannes, donc c'était un an après que j'étais là avec mon propre film Girl, que j'étais dans le jury. Donc ça, c'était une émotion très, très forte parce que un an après, être à l'autre côté était une expérience oui, émouvante. Et ici, à Angers, on a vu déjà des très, très beaux films. Vraiment, la qualité des films est très forte. Ce sont des univers très différents. Il y a un documentaire, il y a des fictions avec des thèmes très différents. Tout des deuxièmes ou premiers films, donc pour moi qui est en train de faire son deuxième film, c'est vraiment intéressant de voir avec quel thème les autres réalisateurs sont en train de travailler et marcher et rechercher. Et je suis aussi très heureux d'être ici avec Juliette Binoche, avec Sarah Souko, avec les gens qui sont très gentils et très intéressants de parler avec. Parler du cinéma, ça fait du bien. Non, oui, en fait, oui. Quand j'étais très petit, ma maman était un grand cinéphile, en fait. Et elle me racontait toujours. Quand elle était allée au cinéma, elle me racontait ses histoires. En fait, elle me racontait les films. Comme avec des autres enfants, tu racontes une histoire avant de coucher. Avec moi, elle racontait des films. Par exemple, elle m'a raconté Titanic 1000 fois. Et moi, j'avais une petite livret où je notais toutes les scènes qu'elle me racontait. Donc à un moment, j'avais des scènes de clés de Titanic notées dans un petit livret. Et en fait, ça a toujours été en moi que j'ai senti que le cinéma était quelque chose qui m'intéressait.
la combinaison d'images et de sons et de musique et créer quelque chose en fait. Et pour mon communion, j'ai reçu une caméra et j'ai commencé à diriger mon frère. Je l'ai dirigé, je lui ai dit tu fais ça et je vais le filmer. Et après, j'ai dirigé ma maman dans la cuisine et ça n'a jamais parti en fait. J'ai toujours. C'est juste. Écoute, attends. Tu emmerdes beaucoup de gens. Il y a d'autres étudiants qui ont du travail. On doit voir un film. Excusez-nous. Mais les étudiants là, tu leur as promis. Et apparemment, tu dis des choses pas intéressantes. Que t'as déjà dit. Je suis en train de. En fait, ça. J'étais en train de parler de toi en fait. Mais les gars, mais vraiment, les gens ne veulent plus. Enfin, c'est gentil pour eux, mais ils ont une vie. C'est déjà difficile pour eux. C'est vraiment pas leur intérêt. Les autres étudiants t'attendent vraiment. Et ils ont besoin qu'au moins ils voient qu'est-ce que c'est d'être. D'avoir raté quelque chose, qu'ils aient de l'espoir. De rater, ah oui. Ah oui, super. Donc tu vois que, voilà, dans notre jury, nous sommes très proches et gentils. Et il y a beaucoup de gentillesse. Sarah, elle est une comédienne. Ouais. C'est incroyable. En fait... Oui, j'ai le bonheur que j'ai trouvé un producteur où j'aime travailler avec, qui a produit Girl aussi et qui veut continuer faire des films avec moi. Donc je suis très content et il va produire aussi le deuxième film. Et je suis très heureux que je peux continuer à travailler avec une équipe que j'adore et qui m'accompagne dans mon parcours de trouver ma langue, de trouver les thèmes que je veux parler dessus, de faire des films. Je pense que je travaille... En fait, la chose que j'aime le plus, c'est travailler avec des comédiens. Donc je pense qu'une fois, quand je viens sur le plateau, j'essaie de vraiment focaliser sur le jeu et sur... trouver une scène qui marche, trouver des choses qui sont nouveaux, qui ne sont pas sur le papier. Moi, j'adore quand sur le plateau, il y a des choses qui ont leur propre vie, en fait. Que ce n'est pas moi qui a écrit et qui dit « Ah oui, c'est comme ça », non, mais qui commence à vraiment vivre et créer quelque chose ensemble avec tous les comédiens, avec le chef opérateur. Et oui, des fois, je dis « Moi, j'ai l'impression que l'image doit être là ». Ou que le camarade doit être là, mais j'adore que sur le plateau, c'est vraiment un dialogue d'abord avec les comédiens et après aussi le côté technique, c'est un dialogue avec le chef-op et la personne qui fait les décos et tout ça.